on choisit 3D Map Area et on va créer à la main cette mission. Donc nous, on est situé précisément ici et c'est cette petite butte qui est située là que nous allons capter. Donc on va cliquer comme ça dessus et on va définir donc une forme qui va couvrir cette butte. Maintenant, on va regarder les réglages qu'on applique pour le scan de cette butte. Donc la caméra, ici, on va choisir une caméra, la caméra qu'on a paramétrée GH5. Alors, on va se mettre à 60 mètres de haut. Donc ça, ça va nous donner, d'après la définition du capteur, une résolution de 1,7 par pixel. Maintenant, on va aller dans les paramétrages avancés. Voilà, donc là on est prêt à décoller. Le module startup de DJI, le câble RSS connecté au GH5 pour déclencher la prise de vue. Ok, on va faire start to fly. Voilà, donc là il a commencé la séance de captation, donc il est en train de prendre les clichés. On voit que là il y a pas mal de vent. On a une forte tendance orageuse, donc c'est sûr que là, avec le vent qui souffle et l'allure des nuages, on va se prendre des averses très très bientôt. Regardez ce qui arrive sur nous là. Donc là, on a effectué juste le début de la mission, donc ça va être assez tendu au niveau timing pour terminer ça. Bon, si jamais on commence à sentir des gouttes, il faudra se dépêcher de poser l'appareil. Parce que il n'est pas conçu pour voler sous la pluie. Le pauvre Matrice 600 qui se retrouve là-dedans, c'est bien menaçant au-dessus de sa tête, ce qui permet de faire aussi un test dans des conditions un peu plus exigeantes.